Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer, mes chers élèves. Je vous présente les professeurs de Julie. Voici les professeurs préférés de Julie. Ils sont quatre. Madame Govis, je vous présente Madame Govis. Madame Govis est le prof de français. Voici Monsieur Pascal, le prof de maths. Elle est vraiment géniale. Monsieur Smith, oh, Mr. Smith, est le prof d'anglais. Madame Hergé est le prof de dessin. Bien sûr, chacun de vous doit trouver le nom et la description qui correspondent à chaque professeur. Alors, je vous aide un petit peu. Alors, qui d'après vous est l'écran? Elle est grand, elle est vieux. Est-ce que c'est Monsieur Pascal ou Monsieur Smith? Bien sûr, c'est Monsieur Pascal. Monsieur Pascal, que vous connaissez tous, est le prof de maths. Elle est rousse, elle est grosse, elle est très sympa. D'après vous, qui est-ce? Je vous laisse quelques moments de réfléchir. Est-ce que c'est Madame Govis, hein? Le prof de français, ou Madame Hergé, le prof de dessin? D'après vous, qui est rousse et grosse? Elle est très sympa, hein? C'est bien sûr Madame Hergé, le prof de dessin. Elle aime beaucoup les couleurs. Elle est brune et elle est très belle. Bien sûr, c'est Madame Govis, le prof de français. Elle est toujours souriante avec ses élèves. Ses élèves l'adorent beaucoup. Pourquoi? Parce que elle est belle et souriante et optimiste. Alors, qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il reste, elle est roux, grand et maigre. C'est bien sûr Monsieur Smith. Alors, Madame Govis, passez Madame Govis. Monsieur Pascal. Monsieur Smith. Et Madame Hergé. Alors, on passe à autre chose maintenant. Le genre des adjectifs. Le genre des adjectifs. Le genre des adjectifs. Tu vas entendre des adjectifs au masculin et au féminin. Écoute bien les terminaisons. Il y a une différence. Écoutez bien maintenant. Grand. Grande. Elle est grand. Elle est grande. Petit. Petite, elle est petite, elle est petite. Blanc, blonde, elle est blond, elle est blonde. Écoute les adjectifs suivants, il y a une différence entre le masculin et le féminin. Maigre, maigre, il est maigre, elle est maigre. Horrible, horrible, elle est horrible, elle est horrible. Sympathique, sympathique, elle est sympathique, elle est sympathique. Alors, vrai, pour la première question, tu vas entendre des adjectifs masculins et au féminin, écoute bien les terminants, il y a une différence, oui, bien sûr, il y a une différence. On ajoute E féminin, grand, grande, petit, petite, blanc, blonde, etc. Et pour les autres noms, puisqu'il y a E au masculin, maigre reste toujours maigre au féminin, horrible restera toujours horrible au féminin, sympathique restera toujours sympathique. Vous connaissez bien sûr le secret, c'est E, il est déjà au masculin. Elle est maigre. Elle est maigre. Voilà.
Observe le masculin et le féminin de certains adjectifs sont très différents. Elle est gros. Elle est gros. Elle est grosse. Gros. Grosse. Roux. Rousse. Beau. Belle. Fou. Folle. Vieux. Vieille. Leur formation est tout à fait irrégulière. Alors, répétez s'il vous plaît ces mots ou ces adjectifs. Gros, grosse, roux, rousse, beau, belle, fou, folle, vieux, vieille. Alors, la prochaine fois, je vous donne quelques exercices pour mieux vous entraîner sur le genre des adjectifs. Le genre, c'est-à-dire le masculin et le féminin des adjectifs qualificatifs, Serge. Soit épithète ou attribut.